Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 20 de The Last of Us Partie 2. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai fait une petite pause, j'ai mangé, voilà, il est presque 17h là. Donc j'ai passé une petite après-midi cool. Je suis désolé parce que sur les trois dernières parties, le son était, du jeu était pas baissé. Voilà, puisque j'ai des problèmes avec mon putain de boîtier de merde qui est un sac à chiasse. Et du coup, à chaque fois que je recorde une vidéo avec OBS, je suis obligé de le remettre dans les sources à chaque fois. Et donc, parfois, j'oublie de rebaisser le son. Voilà. Donc là, là pour cette partie, ça va être good. J'ai remis le son comme d'hab. J'ai écouté un petit peu. Je pense que ça va. C'est pas trop gênant. Vous baissez le son et puis on m'entend quand même. Comme je commente pas beaucoup au final, je pense que c'est pas trop grave. Je suis désolé. Voilà, j'ai pas fait attention et je m'en veux, mais bon, c'est comme ça. Bref, du coup là on se retrouve, on était avec le gamin, on est arrivé à la piscine municipale, je sais pas quoi là, et puis bah du coup, let's go, hein. On va continuer cette saloperie. Allez, go! Par où maintenant? Je sais pas. Comment ça? C'est le bon immeuble, mais j'étais encore jamais venue par ici. La passerelle conduit à l'arrière de l'immeuble. C'est la première fois que je viens là. Ok, bon. Essayons de trouver le moyen de descendre. Ah, donc c'est clairement la piscine municipale. Ok. Alors, faut trouver le moyen de descendre. Bah, par là, du coup, non? Il n'y a que ça, alors on a eu de la chance. Peut-être que c'était pas de la chance. Peut-être que si. Il y a des wolves qui croient en Dieu. Je les ai entendus prier. Wi-Fi gratuit pour les clients de l'hôtel. Mot de passe 1, 2, 18, 12, 18, 79. Si je meurs, ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es revenu nous aider? La culpabilité. De quoi? Tu ne devais rien du tout. J'avais besoin de faire quelque chose de bien. Est-ce que ça va être important, ce délire de Wi-Fi, hein? De Wi-Fi. Alors, c'était 12. 12, 18, 119. On va voir. Peut-être le code du bordel. Ça a l'air d'être ça. Kit de soins, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de loot, hein. La vache. On est en On passera par dèche là. constamment, quoi. Si on rejoint la rue, on sera juste à côté. Là, on n'est pas dans l'hôpital encore. Un cadavre. C'est l'un des tiens? Non. Regarde les vêtements. Tiens. C'est sombre là-bas. Ah, d'accord, je comprends. Alors, ils avaient pour ordre de nettoyer l'immeuble. Ok. Lev, il y a des infectés dans ce bâtiment? On prend toujours l'élévateur jusqu'en bas, alors j'en sais rien. Sûrement. Tous les coups, il y a des infectés. On va recharger tous nos bordels. On va prendre l'arbalète si jamais il faut être silencieux. Putain, et en termes de vie, je suis pas au top là. Je me suis bien fait croquer le cul. Des sports. Mets ton masque.
J'ai pas de masque. Quoi? Ça fait pas partie de vos croyances? On a dû s'enfuir. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Si tu meurs, je serai coincé ici. Prie pour que je m'en sorte alors. Ah, j'avoue, parce qu'on s'est cassé la gueule, on peut pas. Il va pas pouvoir remonter, ce con. Bon, un masque. Faut que je trouve un masque. Alors. On peut aller par là. Tout ça c'est fermé. Je peux pas passer ce truc. Oh putain, cet immeuble tombe en ruine. Merde. Toi, reste là-haut, ok? C'est sûr qu'il va y avoir des cutards, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair, net, précis. Je perds les pédales. Ah, voilà. Bute-toi si tu veux, mais bousille pas le masque. Connard. Oh là là, c'est la zone. Zoneur. Ouais. Il est pas mal celui-là. Il a l'air bien. Bon, j'arrive, Lev. Bah à mon avis, ça va être la zone. Y a rien là. Bon. Génial. On va se les faire un par un, hein. C'est bon? Il doit en rester un quelque part. Ok. Elle est où cette saleté là?
Vas-y, ramène-toi, espèce de sac. Putain. C'est bon ou pas là? C'est bon. J'espère que c'est bon. Ah, je peux activer, désactiver la rafale. Je viens de voir avec la mitraillette là. Ok, ça marche. Merde. C'est pas de base. Tiens, c'est cadeau. On perd du temps. On peut pas aller plus vite. C'est pas en mourant tous les deux qu'on va aider ta sœur. Voilà. Ça va aller. On a eu du bol parce que c'était le seul masque à gaz. T'as vu par où descendre ? Non. Abby, t'en penses quoi ? Pense quoi de quoi ? Attends, de quoi il parle ce sac ? Ah là-haut là ? Le petit câble ? Bah ouais, ça peut le faire. Le tuyau d'incendie ? Lève, viens descendre ça. J'arrive. Allez, balance le chocolat, lève. Lève Chan. Je vais aller voir en bas. Fais attention. Tu calmes. Oui, ça va être la zone ici. Encore un torchefion. Ok. Un délire de fondation. Bon. Attends, reviens. Reviens, parce que du coup, je vais aller voir un peu par là. Là, on peut pas y aller. Ok, d'accord. J'ai rien capté quoi. Bien wesh gamin. Putain de merde. Ce truc était en train de grossir dans le mur. Jusqu'à ce qu'il me saute dessus. Je déteste les démons. Et moi donc. Ouais, et donc je saute là? Bon bah go hein. À ton avis, combien d'étages on doit encore? Est-ce que j'ai un truc? Non, j'ai je pas de silencieux pas ou quoi hein. Grand, cet immeuble. Peut-être une bricasse.
Je peux claquer une petite brique dans la gueule d'un cutard, mais... Putain, on est obligé de passer là. J'attendais le moment pour esquiver, mais... J'ai pas de soins, quoi. Putain, mais c'est horrible! Oh mon dieu, j'en peux plus! Comment tu veux esquiver ça, quoi? Ah, d'accord! Ouais, ok. Ça marche pas, quoi. J'ai balancé la brique, quoi, mais bon... Apparemment, ça marche pas, ça marche quand ça veut, quoi. R2 sans viser, c'est exactement ce que j'ai fait, en fait, genre... Mon dieu... Mais j'ai pas fait l'attaque éclair là! C'est de la merde, hein, mon dieu! Hein. Non mais le gameplay avec Abby, c'est une catastrophe! Hein. J'ai pas fait l'attaque éclair alors que je l'avais! Hein. Vous l'avez vu, hein, j'étais encore en moitié en slow motion ou je sais pas quoi là! Putain! C'est pas possible quoi! Je suis trop contente qu'on ait pris ce raccourci. Même si on est coincé avec tous ces débuts, c'était de l'humour. Oh, c'est quoi ça? Lance-flamme? Ah, voilà, là, d'accord. Non mais ça c'est une catastrophe aussi. Hein. En fait j'aimerais bien me faire un truc de soin, c'est possible ou pas? Oh putain il y a un truc de soin là. C'est la fête. Ah, attends, je peux peut-être améliorer des trucs avec ça. Confection des kits médicaux plus efficaces. Arme de corps à corps améliorée. Plus résistante. On va faire ça. Puis ça, du coup. Ah, c'est pas là? Ah, d'accord. C'était juste pour... Attendez. Non, c'est un moteur de bagnole, ok. Non ! Putain, c'est de la merde. Oh, j'en peux plus, mais c'est tellement nul, mon dieu ! J'ai mis pause sur la barrière, du coup, je suis tombé, quoi. Putain ! Non, mais sérieux, quoi. Et je dois aller où là? Bah on sait pas, comme d'hab. Comprends pas. Là, allons là. C'est de la... Ah mon dieu, c'est bon. Allez, c'est bon, je dis plus rien. 20 sur 20 apparemment.
Je suis où en fait? Bien. Attends, je suis où exactement? Je comprends pas du tout où je suis. Je sais pas où je suis. J'ai dû activer un checkpoint en crevant, je sais pas. Moi, pas comprendre. Je dois aller là? Bon allez, on va essayer de sauter en face, on verra bien. T'es obligé d'essayer en fait. J'ai tiré dessus, mais vraiment je crois qu'on est obligé de se faire toucher en fait. Je pense qu'on est vraiment obligé de se faire toucher. Dès qu'ils sortent du mur. À moins de les esquiver, mais t'as pas le temps de leur tirer dessus, vraiment. Bah ouais, mais faut aller où en fait? Parce que... Ah là. C'est badé, hein. Tu sais pas à quel moment tu vas te faire agresser. L'enfer quoi. Et donc... Il y a un truc à faire là? Et saute là! C'est moi ou elle a activé la porte alors que je voulais ramasser le truc par terre. C'est insupportable ça, hein. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Hein. Une sortie.
Oh putain! C'est tellement nul. J'ai même pas d'attaque, j'ai même pas de sur. Hein. C'est-à-dire que là, je suis obligé de me faire buter en fait. Donc je fais quoi? Bah on sait pas. On sait pas. Ah, je peux même pas le tuer, lui. Voilà, sur un requis. C'est abusé, quoi. Une sortie, ça? Non. Putain, il fait exprès, il vient vers moi en fait. Ah d'accord, il m'a vu. Il y a des problèmes, hein. Vraiment. Il y a des gros, 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 gros problèmes. C'est dommage, hein. Mais l'IA qui te repère alors que t'es silencieux et que tu n'avances même pas, ça c'est un putain de bug. J'ai vu que c'est arrivé à Hooper aussi, donc. Enfin, non, mais c'est vraiment. C'est médiocre en fait. Enfin, vraiment. C'était moins bordélique dans le 1, hein. Sérieux, hein. C'est ouf quoi. Enfin, encore une fois, avec Abby quoi. Parce que Ellie elle a un couteau, donc en fait t'es tranquille. Pour les mecs, tu peux les suriner dans le dos, quoi. Mais avec Abby, c'est une catastrophe, quoi. C'est. Tu peux retirer ton masque. Propose pas de phase d'infiltration si tu peux pas t'infiltrer avec le perso, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Fais des vagues d'ennemis, donne-moi plein de munitions si c'est ça qui t'amuse, et puis voilà. Hein. L'hôpital, c'est juste là. L'hôpital. Ah oui, il est là. Tu vois l'élévateur juste là? Ouais. C'est le chemin qu'on aurait dû prendre. Pas d'infecté. C'est cool, Lev. Je préfère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'Ara s'inquiète. C'est cool. Bon, y'a que dalle. Allez, laisse tomber. Vas-y, ça me gave. Vas-y. Je crois qu'il y a un bug encore de feu, non? Y'a pas un bug de On feu, pas je crois quoi. Censé éprouver des Ah, mais non, c'est le lance-flamme, je suis con. Lev. J'aurais mieux fait de m'enfuir. Comme ça. J'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Non, attends, je voulais. Elle serait chez nous, en train de s'occuper de notre mère. Voilà. Votre mère, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est notre mère. C'est notre devoir. C'est allumé en bas? Mais c'est pas les wolves, ça? Tu vas m'attendre ici. Quoi? Mais pourquoi?
voudraient te faire la peau. Moi, il y a qu'au backgammon que je suis une menace pour eux. Le backgammon? Je vais entrer par devant, je chope le matos et je reviens. Toi, tu restes ici, ok? Ok. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, c'est bien les wolves, on est d'accord. Non? Je sais pas, je comprends pas bien. Je pense que c'est les wolves qui sont là. On va y aller comme ça, on verra bien. Ce sera pas la première fois qu'on... Bah oui. Je suis une wolf. Tirez pas. C'est moi. Abby. Oh. Abby? C'est Abby, merde. Elle est seule. Ouvre le portail. Non. Salut les gars. Ah bah, je t'ai venu à la nage. Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Nora ? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais elle va revenir. D'accord. Merci. Comment ils font pour attirer une nouvelle recrue ? Peut-être qu'ils font un lavage de cerveau à tous ceux qui débarquent en ville. Ouais, non, c'est bon. Salut. Abby. Ils t'ont transféré toi aussi. Ouais, c'est la joie. Ah, c'est celle qui jouait à, je sais pas, à la PSP, là. Médicale. Tu peux me dire où ils sont. Abby, je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Tu pars avec le prochain chargement. Désolé. Qu'est-ce que tu fais ? Elle a disparu depuis hier. Oh là. Oh les poulets. Poucave de merde, quoi. Oui, Alors, en fait, y a Abby qui est là. Hé ! Hé ! Détachez-moi, putain ! Des bons gros guignols, ces wolves. Arrête, tu vas te déboîter l'épaule. Nora ! Eh ben. Je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac. Mais après, à quel moment tu veux être pour eux, quoi ? Tu te rends compte qu'ils sont débiles, en fait ? Ouais, c'est des Mongols. Sérieusement, j'ai quoi ? Parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ce sera Mel. On n'a pas beaucoup de temps. Putain. La plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés. Quoi ? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement, mais... ça va être difficile, tu sais. Je m'en sortirai. Parce qu'il est désinfecté. Ce sera que le 450e combat contre désinfecté, quoi. Tu ne m'as jamais vu, d'accord ? Ouais, bien sûr. Bon, suis-moi. Ah non, il va y avoir des wolves. Le syndrome des loges. Ouais. Il a de la chance de sortir avec un médecin. Et comment va Mel ? Bien. Elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé. Isaac lui a parlé ? Quand il a appris que vous aviez quitté la base, Isaac nous a tous interrogés. Il a pas été tendre. Quelqu'un a parlé ? Non. Laura ! Vous allez où tous les deux ? On va chercher Abby, le bateau est prêt à partir. J'ai encore des cartons au troisième étage. Vous pourriez aller les chercher avant ? Le bateau est presque plein. Allez, je peux pas passer toute la journée ici. D'accord. Merci.
Et toi, ça va? Comme d'hab. Yanis fait un sang d'encre pour toi. Il sait que je suis là? Il va pas tarder à l'apprendre. Et du coup, Owen compte faire quoi? Une seconde. Y'a personne. Ok, enfin, bref. Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputé? Il parle d'aller à Santa Barbara. Il sait que c'est des conneries tout ça, non? J'aimerais pas être à la place de Mel. Ouais. Moi non plus. Ok. C'est là qu'on trouve les soins intensifs, la traumato et les blocs opératoires. C'est parfait. C'est pas pour rien qu'on a encore rien vidé ici. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. Ça va être un beau bordel là-dedans. Génial. Que ta vie soit longue. Ouais, c'est ça le truc en fait. C'est qu'avec Ellie, en fait, on avait un devoir et on avait une implication, quoi, en tant que joueur. Là, non, quoi. Genre, c'est nul. En fait, on doit aller choper des pansements pour une clodo, quoi. Enfin, genre... C'est pour ça, en fait, que ça m'intéresse pas. Après, honnêtement, si on faisait des trucs beaucoup plus intéressants... Je sais pas, hein. Je suis pas scénariste, j'en sais rien, tu vois. Mais là, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, cette phase est ridicule, quoi. J'aurais peut-être dû me faire un kit de soins. Mais... Ok, chirurgie, traumato, soins intensifs. C'est parti. Putain, alors attends. Il y a 14 passages. Non, il y en a que 2, ça va. On va aller par là. Oh là. Alors. Ah. Ils savaient pas à quoi ils étaient confrontés. Non. Ah, j'aurais pu me faire un surin à la place. Non, c'est pas grave. Attends, on va recharger. Là, il nous file du stuff, donc ça sent le bullshit. Je m'attendais à pire. Soins intensifs. Allons voir. Ah, forcément, c'est bloqué. Ça aurait été trop facile. On peut passer par en bas. Alors. La traumato ou la chirurgie. Les urgences. Le service traumato doit être par là. Bordel de merde. Ok, là. Après, l'ambiance est cool, hein. Franchement, j'aime bien, là. J'aurais préféré jouer Ellie.
Allez, trouve quelque chose. Ah, bah d'accord. Nada. Il y a forcément quelque chose dans le coin. Encore un colosse ou un gros là, comment il s'appelle ? Un puant. Provision. Je dois rétablir le courant. Pour remettre le courant. Il doit y avoir un générateur. J'allais dire, sûrement un générateur, ben voilà. Bravo les gars. C'en est pas un, ça? Putain d'enculé, quoi. Au moment... Allez, sur un direct. Tu m'as saoulé, là. Putain. Et j'ai l'impression qu'il rôde toujours dans le coin. Ils vont se ramener, c'est sûr. T'as besoin de jus, toi aussi. Putain, mais faut rétablir le courant alors, mais vraiment pour tout. Sauf qu'il n'y a pas de générateur ici. Quand je vais rétablir le courant, ils vont tous sortir en fait. Ça va être la zone, c'est ça. Il faut que je trouve un générateur alors. Oh là. Il va me sauter dessus lui à tous les coups. Des malades. Voilà, blablabla. Dans quoi j'ai atterri ? Dans un hôpital. Et c'est la zone. Un putain de générateur, bordel à cul. Tu me fais le même coup, toi aussi. Bon. Plus que les blocs opératoires. Ouais, moi je ne trouve pas de générateur en fait les gars, donc astuce, ouais, vas-y. Tu veux monter où? What? What? Pas du tout. Hein. J'aurais jamais trouvé. Hein. Je serais jamais revenu ici. Hein. Oh là, je l'avais pas vu.
Laisse tomber, je serai jamais revenu là. Lev aurait pas été de trop ici. Ou Manny. Ouais, Manny. Si seulement Manny était là. Essayons ça. Ils vont tous se ramener, tu vas voir, à tous les coups. Alors, monter la stabilité, peut-être. Le truc, c'est que je sais même pas si j'ai encore des flèches, donc j'améliore la stabilité de l'arbalète, mais c'est même pas sûr que je puisse l'utiliser, en fait. Trois balles, ça les tue pas. La grosse stuff. Silencieux. Aspiration bloquée. Stabilité de l'arme. Vitesse de déplacement visant. Tuyau explosif amélioré. Ouais. On va augmenter la stabilité de l'arme. Je sais pas si ça va être très utile. Mais... Alors, du coup. C'est une blague quoi. C'est tellement. Peut-être que je trouve une ambulance sur le parking. C'est tellement nimp quoi. Je peux faire des surins, des balles. Je peux ramasser là du coup, ouais. Ok. On recharge. Alors du coup, faut que j'aille. Si, il y avait la... le truc de... Alors c'est pas chirurgie, c'était je sais plus quoi à gauche là. Là-bas là. Bah c'est ouvert. Oh putain. Ah! On peut y aller? On peut pas y aller? Oh, c'est une blague!
Ça aurait été tellement bien qu'on puisse y aller. Putain, mais ils abusent trop, quoi. Voilà, donc je fais quoi maintenant? Non, on sait pas. Alors, on ne sait pas. Ah, là, c'est ouvert. Ah, c'est dommage. Franchement, j'aurais kiffé en mode Gears of War, là. Dans plein de caca et tout, là. Ça aurait été stylé. Une civière dans les dents. Non. Ouais. Oh, Dieu merci. C'est bon? Lève, on a gagné le jackpot. On va se faire buter, le gamin. Je le sens bien, moi. Elle va ressortir et elle va voir qu'ils ont attrapé le gosse et qu'ils vont me buter. Ah, c'est quoi ça? Un genre de mutation de claqueur, de colosse. Énorme! Énorme, un boss à la Resident Evil là. Oh là là, un amas de tas de merde quoi. Énorme. Bon, c'est scriptolande, mais rigolo, rigolo. Pas mal. Eh, c'est le Nemesis, hein. En mode RE3, là. Hein. Sauf que Jill, elle va à la salle, mais... Oh, c'est... du coup, c'est un boss. Ah, d'accord. Ok, le truc il one shot en fait. Ok, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois le battre ou je dois me barrer? C'est ça le truc. C'est le Némésis, c'est vraiment le Némésis quoi. One shot, ok, super. Bon, je sais pas si je dois le tuer alors. Il y a un passage à gauche, sinon. Hein. Thank you.
plus. Allez là! Mais c'est ultra chaud là. Ah, je l'ai eu. Faut que je me soigne là par contre. Alors, normalement il y a encore le petit kiki au sol, non? Non, ça a tué tout. Ouh, et franchement c'était pas évident, hein, la vache. Un boss quoi dans Last of Us. Je m'attendais pas à ça. Eh ben écoutez, c'était cool. Très sympa. Par contre, boss à la con, sac à PV, un peu moisi. Bon. On repassera pour l'inventivité, quoi. Mais bon. Sympa. Sympa, sympa. Oh, ils étaient quand même sympas, ils nous filaient des munitions de partout. Exit. Faut que j'aille où en fait là? Faut que je suive le panneau rouge, hein, j'imagine. Là, peut-être. Ah là ? Ça doit être par là. Non ? Oh là, oui, d'accord. J'ai sauté au pif, hein. Enfin j'ai appuyé au pif. Putain, ça fait une heure. Faut qu'on s'arrête là. Moi, c'est de sortir de cet enfer et on s'arrêtera après. Insupportable. Ah!
Oh, j'ai plus de balles, putain. Mais... Oh là là. Mais je croyais que je m'étais soigné, là. Putain. Allez. J'en peux plus. Il est où? Fils de pute de merde. Où je me soigne, là. Putain. Putain de saloperie, quoi. Bon, allez, on va s'arrêter là. Oh, c'était horrible. Exactement. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Abby. Voilà, c'était l'épisode 20 de The Last of Us Partie 2. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.